Ça marche. Bienvenue sur Terre Éternelle. Toujours ce mercredi 7. Parce que le mois de février, tous les mercredis étaient multiples de 7. Mais le mois de mars aussi. On est dans Mars Attaque. On était sur une théorie quantique, physique, spatio-temporelle. Qu'arrive-t-il quand quoi ? Quand on dit que il vaut mieux un petit mensonge qu'une grosse vérité pas dite. Et c'est là où j'étais super pas d'accord en mode. Mais voilà. Cependant, Pythagore et l'autre, Sophie d'avant, c'était d'après. Et bon, l'autre il a dit égal MC2, mais faut faire gaffe. Moi j'avais dit E égale MC4, ça va péter. Eh oui. Il vaut mieux un petit mensonge qu'une grosse vérité pas dite. C'est ça. Attends, faut être sûr. Voilà. Je ne suis complètement pas d'accord. Moi, je dis, toutes les vérités sont bonnes à dire. Au moins, c'est franc du collier. Tu peux te regarder droit tes yeux dans ta glace, espèce d'enculé. Mais tu peux très bien dire une vérité, comme tu dis, mais elle peut être fausse. Et tu l'as dit, de vive voix. Il vaut mieux une vérité. Mais cette vérité, elle peut être fausse. Il vaut mieux un petit mensonge. Un petit mensonge. Il m'a dit, tu n'es pas très tolérant. Il vaut mieux un petit mensonge vrai qu'une grosse vérité mensongère. Eh oui. Ouais, bah, mais... Ok, je te dis la vérité, bim, bam, boum, c'est ça. Voilà. T'es content, t'es pas content, je me casse. C'est des jambons crus ou cuits. C'est pas la vérité. Non, mais c'est quand même des jambons. Oui, tu sais, nanani, nanana, j'ai pas pu parce que voilà, machin truc, mais t'inquiète pas. Voilà. Ça, c'est un mensonge. Mais c'est un petit mensonge. Il fait du bien. Oh. Voilà. Et dis donc, le téléportateur est enclenché. Nous sommes bien dans le cyclotron. Parce que quelqu'un qui te dit... Le périscope, attention, lui, il rigole pas. Il est pote avec le percevoir et le perfusion, alors faut pas et déconner. Ouais. Vas-y, reprends un peu de jambon avec ta purée. Ça ira très bien. Putain, tu veux que je te coupe un peu de pain ? Oui, mon amour. Tout de suite. Demain, levé 6h. Éric Legrand, c'est un réveil. Là-bas. On est dans... Moi là-bas. Matrix 18. Et par contre, il ne faut pas me toucher. J'ai mal là. Oui, alors, tu es matérialiste, c'est ça ton problème ? J'ai mal là. Je crois bien que j'ai une sixtite. Oh, merde. Et voilà. Veux-tu essayer l'extincteur ? Ah, Christelle, l'extincteur ne me fait pas peur. Tiens donc, la plaquette de beurre, 500 grammes. Pour plus, t'es pas content, hein, à foutre à l'os. Putain de merde. L'autre, elle m'a regardé, elle m'a dit... Peut-être pas elle s'est mis en levrette, elle m'a montré son cul, et elle m'a dit, encule-moi. Oh putain, oh, moi, l'autre, défonce-moi l'anus. J'ai bien vu dans mon pantalon. Je me suis dit, merde, comment que je fais ? Et je vois cette grosse rondelle. je vais direction le frigo à Popio. Je vais balancer trois doigts dans la motte de beurre, mon ami. Qu'est-ce qu'il a le beurre ? Putain. Il a l'air bizarre. Comme ça. Mieux vaut un petit mensonge. Le lendemain, Popio, il était en train de mettre ses chaussures pour partir. Vas-y, c'est du Marcel Pignol à la niçoise. Qui c'est qui a démonté le beurre ? Carrément. Je dis en rigolant, je dis ouais, c'est moi hier soir. Putain, t'es dégueulasse. Splotch. Splotch. Voilà. Après séparation, machin. Alors ça sur YouTube, fait. Oui. Non, bon. Mais alors, en plus on voit ma gueule, on fait pas ça. Je veux le mettre en privé. Ah, je sais pas trop. On était à où on savait pas ce qu'il fallait faire. Envoyé spatial pour l'éternel. Oh, après un super ciel mon mardi, le mercredi c'était en dos. Ça me gratte le bios dans le dos. Tu vois, en dos. Lundi, c'est en là, on s'accorde. Le mardi, c'est en si. On se pose des questions. Le mercredi, c'est en dos. Et tu commences à avoir des petites réponses, des questions que tu t'es posées le mardi. Ça fait partie du semainier de l'esprit. C'est pas un truc surnaturel, c'est pas... Voilà. C'est un truc que mieux vaut être sous que con, ça dure moins longtemps.
ce que j'avais dit à mon patron, il m'a mis une grosse tarte dans la gueule. Bon, enfin bref. Voilà. Envoyé spatial, porte éternelle. À vous, cognac, j'ai pas. Et puis. Pache salut, inchalamen, iraim. Voilà. Conseil galactique temporel. Poète.